Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très très bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment modifier son code PIN sur Android. Avant de partir, je t'invite de lâcher un pouce bleu, de t'abonner et sans oublier surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Modifier facilement et rapidement son code PIN sur Android. Rendez-vous sur l'écran de mon téléphone après le générique. C'est parti les gars, let's go. Alors, s'il vous arrive souvent de changer de numéro de téléphone, comme vous le saviez, le code PIN est différent d'un opérateur à l'autre. Alors, comment modifier votre nouveau code PIN pour récupérer l'ancien? C'est parti. Alors, vous allez vous rendre dans Paramètres. Je vais défiler l'écran de mon téléphone vers le bas. Puis, je clique sur Paramètres. Et ensuite, défiler vers le bas, vous cliquez sur Données biométriques et sécurité. Données biométriques et sécurité. Défilez encore l'écran de votre téléphone vers le bas. Vous cliquez sur Autres paramètres de sécurité. Autres paramètres de sécurité. Cliquez sur Définir verrouillage SIM. Et là, verrouillage de la carte SIM est active. Comme vous le voyez, modifier PIN de la SIM. Alors, code PIN de la carte SIM. Entrez le code PIN de votre carte SIM actuelle. 3 essais restants. Attention, si vous essayez 3 fois, vous ratez. Vous seriez obligé d'entrer votre code PUC. Alors, comment trouver votre code PUC? Soit vous téléphonez votre opérateur, soit vous regardez sur le truc de votre carte. Vous allez trouver sur la pièce de votre carte SIM. Le support de votre carte SIM, vous allez trouver votre code PUC. Attention. Alors là, je vais rentrer mon code PIN actuel. Je clique sur OK. Et là, saisissez un nouveau code PIN de carte SIM. 3 essais restants. Alors là, 1, 2, 3, 4. Je clique sur OK. Entrez une nouvelle fois le nouveau code PIN de la carte SIM pour le confirmer. Alors, il faut entrer une nouvelle fois pour confirmer. J'entre encore. Puis je clique sur OK. Et là, modification du code PIN de la carte SIM. C'est bon. Et voilà. Merci beaucoup les citizens. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas de vous abonner. Et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez surtout pas de les balancer en commentaire. Je me ferai le plus grand plaisir de vous répondre dans les brefs délais. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Ciao.